Donc les paniers comportent une bouteille de Beaujolais nouveau qu'on a sélectionné parmi un de nos producteurs, des jeunes agriculteurs, des petits fromages de chèvre, une terrine fermière. À l'origine de cette initiative, les jeunes agriculteurs du Rhône, privés de fêtes cette année pour la sortie du Beaujolais nouveau, ils ont dû s'adapter en proposant des paniers à 25 euros ou encore des cartons découvertes avec toute une gamme de Beaujolais. On est à 200 paniers et une cinquantaine de cartons découvertes. Donc les cartons découvertes, c'est une sélection de un vin de chaque jeune agriculteur. Donc on a un Beaujolais blanc, un Beaujolais rosé, un cru, on a un Morgon, des Beaujolais un peu plus de garde élevés en fût de chêne. On est un vignoble avec une grande diversité et des humains derrière qui aiment leurs produits et qui le font savoir. Voilà. Dans cette entreprise à Dardilly, les salariés ont joué le jeu, les bouteilles sont livrées jusque sur le lieu de travail. Cette année, Covid oblige, c'est donc à la maison que l'on fêtera le Beaujolais nouveau. Si ça peut donner un peu de sourire ce soir dans les foyers de nos collaborateurs, parce qu'ils vont pouvoir goûter ce Beaujolais nouveau alors que peut-être avant ils allaient plutôt le goûter dans des bars, dans des restaurants, on aura atteint notre objectif. Vive le Beaujolais nouveau! Un cru 2020 qui, nous dit-on, est ensoleillé et fruité. Fête ou pas fête, il est toujours à consommer avec modération.